Le Sud-Ouest est en pleine transformation. L'arrondissement comprend 6 quartiers aux caractéristiques distinctes, regroupés pour former 4000 lieux de vie. En 5 ans, la population de l'arrondissement a connu la croissance la plus importante à Montréal. Cette réalité amène son lot de défis et une pression grandissante sur les 93 parcs et espaces verts du Sud-Ouest. Issue d'une démarche de consultation menée par l'arrondissement du Sud-Ouest auprès de sa communauté, le plan directeur des parcs et espaces verts reflète la volonté d'offrir un milieu de vie qui répond aux besoins de tous. Près de 20 millions de dollars ont été investis dans les 5 dernières années pour l'aménagement, l'entretien et l'animation de nos parcs et espaces verts. 22 millions sont prévus d'ici 2024 dans le cadre du plan. Qu'il s'agisse de réfection, de remplacement, de mise aux normes, de réaménagement ou d'aménagement, le plan est adapté aux besoins des citoyens et aux caractères distinctifs de chacun des quartiers. Il comprend un plan d'action articulé autour de 6 grands axes. Favoriser l'appropriation des parcs par des aménagements distinctifs et inclusifs. Promouvoir l'activité physique et les modes de vie actifs. Utiliser les parcs pour mettre en valeur la culture et le patrimoine. Aménager en respect des pratiques durables. Mettre les usagers au centre de la conception et ouvrir les parcs sur les quartiers. Concrètement, le plan permettra aux petits comme aux grands de continuer de se rafraîchir dans nos piscines, nos pataugeoires et nos jeux d'eau. Il permettra aux sportifs de profiter pleinement des terrains de soccer, de baseball, de volleyball, de tennis et de pétanque, mais aussi de nos patinoires. Nos aires de détente, de pique-nique et d'exposition continueront de rendre nos parcs des lieux accueillants et inclusifs où enfants et adultes de tous âges pourront s'amuser, bouger, socialiser et profiter pleinement des espaces verts. La réfection de nos aires de jeu se poursuivra grâce aux investissements et à l'attention particulière des équipes. Le plan est tourné vers l'avenir sans oublier notre passé. Il accorde une place de choix à notre patrimoine par la création d'un programme d'entretien des parcs d'intérêt patrimonial sur le territoire de l'arrondissement. Ce nouveau programme aura pour but la préservation du caractère spécifique de ces 6 parcs aménagés avant 1945. Le plan directeur des parcs et espaces verts de l'arrondissement du Sud-Ouest, c'est des actions concrètes pour rendre nos espaces accessibles, sécuritaires et bien pourvus d'équipements grâce à des aménagements durables. C'est des parcs animés et bien ancrés dans nos quartiers, des espaces essentiels à une société dynamique, en santé et inclusive. Le plan, on y travaille activement pour que vous en profitiez pleinement.